Bonsoir Nadia. Coucou Martine. Coucou Roxane. Ah bon, bah, super. Ça marche une fois sur dix. Mais... Bonsoir Caroline. Coucou Natalina. Ça va et toi Martine? Bonsoir Valou. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Christelle. Bonsoir Marie. Merci beaucoup. Coucou Nadine. Bonsoir Annick. Coucou Katia. Bonsoir Marie-France. Bonsoir Dominique. Coucou Caro. C'est pas une combi, Caro? Je suis en short. Avec un... Attention, c'est pas mes seins, c'est le bandeau. Parce que vu comme ça faisait... Même moi, j'ai l'impression de voir des seins à nu, mais non, non, non. Et un caraco, celui-là, la pailletée, comme ça, là. Bonsoir Laurence, bonsoir Virginie, bonsoir Nathalie, bonsoir Sandrine. Ah, bah, je suis très contente, Caroline. Bonsoir Magali, oui, tout le monde va bien, merci. Bonsoir Leïna, merci Magali, c'est gentil pour le partage. Coucou Fabienne, bonsoir Nat. Bonsoir Gwenaëlle. Coucou Valérie, mais pour le coup, Caro, un combi short comme ça avec la paillette, moi aussi, hein, j'achète. Hein, Bonsoir Véronique. Coucou Karine. Bonsoir Angélique. Coucou Fabienne. Ah ben, je suis contente, Léna. C'est vrai qu'ils sont bien ceux-là, ils sont tout légers. J'aime bien, moi aussi j'ai un rose de l'année dernière, je fouillais dans mon. Je range les pulls, j'ai pas hyper beaucoup de place, donc tout ce qui est hiver, à chaque fois quand c'est l'été, je range, je ressors et tout. Et il faut que je m'en souvienne parce que je serais capable de reprendre des trucs que j'ai déjà, et notamment je l'ai le rose fluo. Bonsoir Valérie. Coucou Cindy, re. Il est sur le site, hein, celui-là, les filles. Il y en avait, je l'avais proposé, je ne sais plus quand. Il y a du noir. Bon, je ne suis pas là pour les vêtements, mais moi je l'avais trop. Il y a du noir et du. Et du doré, non pas de rose gold, madame. Hein, je vois la question venir. Bonsoir Marie. Bonsoir Catherine. Bonsoir Joël. Bonsoir Véronique. Bonsoir Joël. Joël, j'ai déjà dit, pardon, bah, double bonsoir. Merci Marie. Bon, je vais le remettre là-bas, hein. Hop. Et hop. C'est surtout que j'avoue que moi, toute la journée, bon, bah, j'étais chez moi, hein, et absolument pas habillée avec la chaleur qu'il fait. Et j'ai dit, oh, ce soir, je vais mettre un peu de. Ça me fait plaisir à moi-même, en fait. Bonsoir Marie, bonsoir Martine, bonsoir Gwenaëlle. Ah oui, ceux-là, oui, tu as car, enfin oui, je peux les noter ici. C'est un modèle, celui-ci, qui est en taille unique, mais il est en dos élastique comme ça. Il peut aller jusqu'à une taille 54-56. Il est sequin, mais avec doublure. Et ceux-là, ils sont à 36 euros. Bonsoir Valérie. Bonsoir Delphine. Donc, pour ce soir. Je vous fais, alors je vais vous montrer quelques nouveaux modèles, mais pas beaucoup. Ce qu'on va faire, parce que là on se fait un live cool. Ah, pas de souci, Caroline. C'est ça, Valérie, ouais. Dans vos yeux, là, surtout. Et... T'es sérieuse, Cindy? Et après, bah, je vous laisserai éventuellement me poser des questions sur quel genre de modèle vous aimeriez voir. Je peux bien sûr tout repasser, hein. Il n'y a pas de problème. Bonsoir Geneviève, coucou Amélie. Voilà, on va aussi, je veux aussi après, plus en fin de live,
Vous passez des modèles Rési, donc rien à voir de la lingerie sexy. Bonsoir Catherine, coucou Ami. Et je vais aussi passer un peu de touti rouge, vous savez, donc tout ce qui est bralette, etc. Voir ce qui nous reste, éventuellement voir selon les demandes ce que je pourrais encore me procurer selon les modèles. Enfin voilà, on va faire un peu de tout, doucement. Je dis à la cool aussi parce que. Notamment, monsieur, il est venu cet après-midi me noter des tas de trucs, enfin, notamment sur la résille. Il m'a tout mis dans WhatsApp, mais j'ai pas eu le temps de tout noter sur mon fichier. Donc après, je ferai au fur et à mesure. Hein. Bonsoir Martine, bonsoir Marie. De toute façon, nous sommes dimanche soir, il n'est pas très tard. Je pense que tout le monde a chaud. Donc tout le monde est calme, tranquille. Bonsoir Marie, et ça va être ça pendant tout le live. Hein. Bonsoir Sylvie, coucou Cindy, coucou Guylaine. Alors je suis un peu bête parce qu'avant de présenter le nouveau modèle, j'ai le bandeau sur moi. Donc je ne sais pas, est-ce qu'il y en a encore ici? Encore? Est-ce qu'il y en a encore? Évidemment que oui, mais est-ce qu'il y en a qui sont connectés et qui sont intéressés par les bandeaux? Peut-être que j'en reparle en premier ou sinon je le ferai après et j'enfile déjà le nouveau modèle. Coucou Mickaël, juste quelques petites infos aussi avant de commencer. Si vous souhaitez commander des soutiens-gorge, mais que vous n'êtes pas sûr de votre taille, ne passez pas commande ce soir. Si vous n'êtes pas certaine de votre choix, n'hésitez pas à venir par message qu'on puisse voir ça ensemble. Non, je suis très bien là, quelqu'un aujourd'hui. Autant vendredi, j'en pouvais plus. Franchement, j'en pouvais plus. Là, je suis cool. Tout va bien. Je suis au frais. Puis là, j'ai pas besoin d'enfiler des trucs chauds. Donc, ça va être parfait. Bonsoir, Cathy. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous contacter pour ça. Et qu'est-ce que je voulais sur les certains modèles. La plupart, évidemment, on n'a pas toutes les tailles en stock. Il y a beaucoup de choses qui sont, donc après que je commande suite au live. Donc il faut noter que c'est un envoi différé. Fais-nous un message, s'il te plaît, Dominique, parce que je ne suis pas du tout sur les vêtements là. C'est un envoi différé, donc il faut compter environ une semaine, voire 10 jours. Enfin, ça dépend comment on est quand même au mois d'août. Il y a quand même un petit délai de traitement un peu plus long que si on était dans des mois standards, on va dire. Bonsoir, Andrea. Voilà, et que vous dire d'autre? Bah rien, hein. Puis on verra au fur et à mesure du live. Bonsoir Marilyn, de ta terrasse, bah cool, profite bien, hein. Alors, je vous passe les deux modèles de soutien-gorge bandeau pour commencer. Alors, ça, c'est le. Parce qu'il y a deux modèles, alors ça, c'est l'autre. Donc, les deux, de toute façon, les deux existent en noir et en chair, ok? Bonsoir Nathalie. Alors quand même, on va faire un petit topo sur le bandeau parce que c'est pas forcément fait pour tout le monde. Alors c'est pas pour tout le monde, mais dans le sens où, allons-y, un bandeau. Enfin, j'espère que là, oui, c'est bon, tout est bien placé. Un bandeau, ça se doit pour maintenir d'être bien serré au niveau du dos. Hein, vous voyez? Alors moi, il est quand même hyper confortable, mais il doit faire blocus pour qu'il soit utile et qu'il tienne vraiment bien la poitrine. D'accord. Le celui-ci, donc là que je porte, c'est le modèle d'Anna. Le modèle d'Anna, c'est celui qui convient le mieux pour toutes celles qui ont la poitrine mastoc et lourde, hein, parce que c'est le plus emboîtant des deux modèles. Donc lui, vous voyez, il est en trois pans là sur le bas. Il vient tout le sein vient bien reposer dedans. Et puis après, le fait qu'il soit un dos large, il vient bien plaquer comme il faut. Et une fois que vous l'avez, ça ne bouge plus. Alors attention à une chose, parce que je fais ça suite aussi, ça m'aide aussi. Et d'ailleurs, quand même, je tiens à vous préciser une chose, enfin pas préciser, mais je tiens à toutes vous dire un grand merci, toutes celles qui me font confiance, qui m'envoient des photos par message, parce que c'est quand même quelque chose que je débute. Donc même si j'ai déjà de bonnes connaissances de base, j'apprends aussi avec vous à mieux fermer mes petits yeux. Et donc pour ça, un grand merci. Et ça m'aide aussi à savoir. Quels conseils apporter en plus et des choses à dire en plus que je n'ai pas forcément pensé à dire la première fois. Et là, notamment sur le bandeau. Faites bien attention, vous voyez surtout sur celui-là, c'est un dos très large. Il faut bien le positionner comme il faut, vous voyez, c'est-à-dire qu'à cet endroit-là, il doit bien venir presque là à votre pli de bras. Okay? Il n'est pas censé être mis comme ça. Comme ça, là, ça ne va pas du tout. On soit bien d'accord, ça bourlette, etc. Ça ne va pas du tout. Hein? Il faut bien le monter comme il faut. Et après, autre chose, le bandeau, c'est pas ce qui est le plus facile à accrocher. Et c'est normal. Hein, voilà. Aussi, pour bien choisir sa taille de bandeau,
J'avais pensé à dire aussi quelque chose que je n'ai pas dit il y a deux semaines. Bonsoir Géraldine, c'est que si vous êtes, par exemple, vous faites un tour, je vais prendre le mien, vous faites un tour 105, mais qui est déjà pile poil en tour 105, vous pouvez aller par contre sur un tour supérieur et peut-être un bonnet intermédiaire pour que ça convienne mieux pour bien le fermer si toutefois vous avez un peu des difficultés pour fermer vos soutiens-gorge. Par exemple, moi je fais une taille normalement 105H. Là, pour le bandeau celui-ci, je porte une taille 110GG, donc qui est le bonnet intermédiaire juste en dessous, qui n'est pas un bonnet G, qui est un entre-deux, mais que j'ai pris là, que j'ai mis en tour supérieur. Voilà. Et celle, encore oui, Caroline, mais qui ont vraiment du mal, il y a toujours la solution de on le met devant, on ferme et on le tourne. Alors attention toutefois sur ce genre de modèle. Ah bah oui, forcément, Sylvie, oui. Sur ce genre de modèle, c'est que vous voyez tout là, dans le silicone. Donc pour le tourner, par contre, de toute façon, il peut accrocher un peu. Voilà. La qualité n'a rien à voir, parce que moi, celui que j'avais pris, comme tu dis, Caro, il est foutu déjà, et ça tient pas du tout pareil. Moi, ça ballotte dedans. Alors, il était bien par rapport au prix qu'il coûtait, l'autre, voilà, il va dire, il fait son job. Mais alors, franchement, là, celui-ci, je marche sans problème, sans avoir peur de me prendre un sein dans l'œil. Hein, c'est surtout ça, la grande différence, c'est que là, tu as un vrai maintien. Voilà, là, il y a ma poitrine qui est bien dedans. Comme il faut, je suis bien maintenue. Vous voyez, il n'y a pas de. Ah, forcément, ça bouge, hein, je n'ai pas le sein, mais il n'y a pas de problème. Oui, bien sûr, pour celles qui veulent voir les modèles au fur et à mesure et prendre leur décision à la fin, aucun problème, Cindy. On peut tout à fait faire comme ça. Donc, ça, c'est le premier modèle, donc le Dana, qui est lui, donc idéal pour les poitrines les plus fortes, mais je n'ai pas pensé. Attendez. Par contre, je n'ai pas pensé à prendre. Le modèle à ma taille sur l'autre, donc le heavy. Donc la différence que vous avez entre les deux, non, c'est pas du tout de la marque Elomi Géraldine, ça c'est la gamme Sculptress de chez Panache, mais qui est aussi une marque anglaise. Vous voyez, donc celui-là, vous avez trois en structure, donc là trois pans, lui n'en a que deux. Le heavy, lui, attention, il va convenir. Le heavy n'existe que jusqu'au tour 105. Celui-ci va aller jusqu'au tour 120. Il va convenir pour les poitrines un peu plus jeunes, on va dire, et un peu plus fermes. Moi, j'ai les deux modèles. Je porte aussi celui-ci sur certaines choses, notamment parce qu'il vient un peu moins au ras de la poitrine pour des pièces un peu plus décolletées. Donc, ça va quand même. Mais si vous voulez un bandeau avec le meilleur maintien, il faut aller sur celui-ci. Voilà. Oui, ce serait plutôt ça, Sylvie, pour bien au niveau du tour de dos. Bonsoir Martine, bonsoir Sophie. Donc, maintenant, hop, je me ravis le temps de vous donner les tailles dispo. Donc, les deux, je répète, en beige ou en noir. Le modèle d'Anna. Alors, que je vous comme il faut mon petit fichier. Le modèle d'Anna, donc lui, il est à 69 euros. Vous l'avez en bonnet D du 100 au 120, le bonnet intermédiaire, donc le DD du 95 au 120. Pour les bonnets E à GG, vous les avez du 90 au 120, bonnet H 90 à 115, bonnet I 90 à 110, bonnet J 90 à 105. Donc ça, c'est le Dana en noir ou en beige. Le Heavy, donc l'autre. Lui est à 50 euros et lui, c'est du bonnet D au bonnet J, tour 80 à 105. Non, le GG, Véronique, l'intermédiaire. Bonsoir, Katie. Ah bah oui, pour un bandeau, et c'est forcément, c'est pas vraiment du rembourrage, ça. Mais c'est pour le maintien, il faut forcément que ce soit ce genre de structure. Parce que si tu mets un bandeau juste sur un tulle, même si c'est bien fait avec le renfort côté, etc., ça ne pourra pas tenir comme cela. Le bandeau, c'est pas non plus de base, c'est pas une, ça ne peut pas être une lingerie fine, dentelle, etc. Alors bien, on pourrait faire du surplus dentelle par-dessus, mais il faut que ce soit une vraie structure bien costaud pour que ça tienne correctement quand même. Bonsoir Nadia, bonsoir Virginie.
Donc ça, c'est vu. Bonsoir Stéphanie. T'as répondu à qui, Marilyn? Demandez à son époux, j'ai pas vu, hein. Donc ça, c'est vu. Ça, c'est vu, ça, c'est vu. Pardon. Coucou, ami! Non, mais alors Nadia, si tu veux, on pourrait voir ensemble la taille, parce que c'est quand même relativement rare de faire un très très grand tour. Et des fois, il y en a beaucoup qui se trompent, qui prennent des tours 130 avec un petit bonnet, alors qu'il faudrait prendre plus, enfin le contraire, plus grand bonnet, plus petit tour. Enfin, ça dépend. Si tu veux, on peut voir ça ensemble par message. Bonsoir Raphaël. Non, Marie, là, il commence au bonnet D. Marie-Lise, t'as bien reçu les tiens hein, déjà. T'en veux, tu te fais un stock? Attends, je note. En noir. Alors attends. Hop, hop, hop. Donc, Dana. Hop. Ça m'enlève, ça m'enlève. Oh, excusez-moi, c'est parce que j'ai copié-collé mon premier tableau. Bonsoir Céline, tout va bien, merci beaucoup. Bonsoir Jacqueline. Coucou Caro, oui. Coucou Brigitte, bonsoir Patricia, ça marche Nadia, bonsoir Coco, bonsoir Fabienne, préviens, prépare ton banquier. Mais oui, Cathy, tu pourrais venir avec Camille avec plaisir. Surtout Camille, elle vient régulièrement, donc si une fois elle vient, tu es dispo aussi. Coucou Aurélie, non, non, là je viens de repasser le bandeau que tu connais déjà. Alors, bonsoir Sonia, bonsoir Agnès. Alors, je viens de passer deux modèles. Le bandeau, le Dana, donc celui que je porte sur moi, qui est en noir ou en chair, il est à 69 euros. Donc bonnet D jusqu'à J, jusqu'au tour 120 selon les bonnets. Et le Heavy est à 50 euros. Et lui, il est du tour 80 au tour 105 pour tous les bonnets. Ah ben c'est bon à savoir pour d'autres, ça, Marie-Lise. Coucou Soso. Ok Virginie. Donc un belge. Attends. Du coup, faut que je reparte là. Ah non, je ne suis pas sur mon bon. Et le chien. Alors pardon, hein, je vais être un peu. J'essaie de faire vite, mais. Donc tu veux un 105. J'ai. Ok. Alors, attends, je vais juste nettoyer mon petit fichier. Bonsoir, Viviane. Non, enfin, non, après, il y aura des bralettes qui vont passer tout à l'heure. Donc, des petites choses pour faire joli sans aucun maintien. Et maintenant, je n'ai pas de brassière. Bonsoir Marie-Jeanne. Bonsoir Vinciane. Coucou Laura. Coucou Frédéric. Coucou Eva. Coucou Madouce. Les caracos sequins, ah, je ne suis pas sur du vêtement. Là. Ils sont à 36 euros, taille unique, ok, jusqu'à du 54-56. Bonsoir Marie-Claire. Alors, Ami, attends, hop.
Il n'y a pas de C, mais c'est pas grave. Je vais te mettre ce qui va aller. Hop. Hop là. Ami, t'as un maître chez toi ou pas? Avec plaisir, Céline. Ok, ça marche, Virginie. Bonsoir, Sandrine. Alors, Jacqueline, si tu souhaites commander, il faut me remettre le nom du modèle et la couleur. Si c'est le, enfin, du coup, c'est le Dana. Si tu veux le Dana en noir ou en chair. Bonsoir, Mariam. Voilà, mais pour toutes celles justement qui ne sont pas sûres de leur taille, venez en MP et on voit ça ensemble. Oui, bien sûr, Cindy, je vais les repasser sans problème, hein. Oui, Véronique, et non, alors uniquement pour les bandeaux et pour celles à qui, enfin voilà, comme je l'ai expliqué, c'est pas pour tout le monde. Moi, je porte ma taille 105H dans le bandeau, dans tous les modèles que je passe, là. Enfin, sauf celui-là, et encore, parce que je porterai le 105H, mais là, c'est pour montrer que c'est possible de faire aussi une correspondance de taille. C'est parce que juste, je l'avais pas, en fait. En noir ou en beige, Marie-Lise? Non, je ne suis pas du tout sur du vêtement ce soir, Géraldine, mais c'est un caraco que je porte, mais il est visible sur le site pour celles qui veulent. Alors, Jacqueline, c'est presque bon, mais tu as oublié de me rajouter la couleur que tu veux. Hop. Alors, maintenant. Oh, il est beau. Je ne l'ai pas encore réglé. Bon, je vais faire le vite fait. Le Diane. Alors, vous savez, on l'a passé la dernière fois en rose. Il n'y avait pas toutes les tailles. Celui-ci, vous allez pouvoir le commander dans toutes les tailles. Il est en bleu. Ah, c'est un canard turquoise, mais un peu plus turquoise que canard, mais un turquoise foncé. Il est magnifique en imprimé zébré comme ça. Je le trouve tellement beau dans cette couleur. Je l'enfile et je vire. Et tout avec dans le commentaire, Jacqueline, s'il te plaît. Alors là, j'ai rien placé au niveau de ma poitrine, justement, pour vous montrer. J'espère qu'il n'y a rien qui déborde trop pour pas que ça choque à l'image. Déjà, ça me permet de parler comment bien placer sa poitrine dans un soutien-gorge. Hop, quand on met son soutien-gorge, on tient ici, on passe sa petite mimine et on vient bien, hop, tirer comme ça son sein d'un côté, la baleine de l'autre, que tout soit bien englobé. OK? Parce que déjà, si on ne fait pas ça, on ne peut pas savoir, surtout pour celles qui ne sont pas sûres de leur taille, si tout est OK. Ou pas. Oh, qu'est-ce qu'il est beau? Qu'est-ce qu'il est beau? Qu'est-ce qu'il est beau? Ensuite, que vous dire? Alors, comment doit être un soutien-gorge qui est à la bonne taille? Déjà, quand c'est à la bonne taille, vous voyez, l'entre-sein, il est bien plaqué. Hein? Il vient bien coller à la peau, ça ne se décolle pas, ça ne bouge pas. Ensuite, au niveau de l'armature, celle-ci, elle vient bien là, elle est censée bien venir se plaquer au niveau de vos côtes, et ici, là, à peu près, à mi-aisselle. Et c'est censé être plaqué aussi. Ça ne doit pas bouger. Si vous avez la baleine qui bâille et qui rentre dans votre bras, c'est souvent que le soutien-gorge, souvent, plutôt, c'est un bonnet souvent qui est trop grand. Et après, bon, si ça revient trop comme ça, évidemment, c'est un bonnet qui est trop petit. Ensuite, ah oui, un peu, c'est vrai, mais lui, c'est vraiment zébré, le vortex, il est un peu, je sais pas, c'est un peu abstrait. Bonsoir, Flo, oui, tout à fait. C'est tout à fait possible. Les bretelles, oui, les bretelles, pour qu'elles soient bien réglées, il faut que vous puissiez quand même passer, voilà, un doigt en dessous. Il ne faut pas non plus qu'elles soient trop serrées ni trop lâches. Et au niveau du dos, le dos, il doit être bien, comme on dit là, parallèle autour de poitrine. Voilà. Et bien venir, vous voyez, comme ça. Si le dos
qui remonte ou il est trop bas ou quoi, ok, c'est que ça ne va pas. Voilà, normalement, quand tout va bien au niveau de la taille, vous voyez, là, c'est bien, ça vient bien tout droit et ça ne bouge pas. Si ça remonte, c'est pareil, il y a un problème de taille. Voilà. Donc, ce modèle, il est magnifique, le Dion. Donc, comme j'ai dit, donc la très belle couleur déjà, l'imprimé zébré, là, la transparence, et là, le petit détail harnais, très mignon, au niveau du décolleté, la culotte. Alors, qu'est-ce que je vais... Ouais, bon. Je vais essayer de vous l'enfiler par-dessus le short pour celle-ci. Bonsoir Annie, tout va bien, merci. Donc une culotte un peu coupe, qui fait un peu coupe shorty, avec un petit transparence, on va dire, sur le haut. Hop, et là vous avez aussi la transparence sur les côtés avec le rappel du détail harnais. Hop, hop. C'est magnifique. Oh, qu'est-ce que c'est charmant. Ah, la pêche. Voilà. Donc, toujours une culotte taille haute. Hop. Alors, je ne sais pas si j'ai bien mis derrière. Voilà. On voit bien? Ouais, ça va, on voit bien. Ça fait un peu dégueulasse, hein, pardon, mais encore une fois, je ne vais pas me mettre en culotte en plein live. Donc, voilà. Bonsoir, Sandrine. Non, là, j'en suis là. J'ai passé les bandeaux. Et là, j'en suis aux deux, enfin les deux bandeaux. Du coup, là, je suis au troisième modèle. Coucou Flo. Donc, pour celui-ci. Non, je ne suis pas sur le. Je fais que de switcher entre deux. Ah non, je l'ai noté là. Donc, lui, vous allez l'avoir. Donc, bonnet DD à bonnet K. Bonnet DD, alors ça peut s'adapter pour un bonnet D selon votre tour. Hein. Vous me dites, je saurai quoi vous mettre. Hein. Salut, le coucou. Coucou, salut Luc. Donc, qu'est-ce que je disais? Le bonnet DD va aller du 105 au 120. Après, bonnet EAH, vous avez 90 au 120. Le HH, du 90 au 115. J, vous l'avez du 90 au 110. I, du 90 au 105. Et le K, du 90 au 100. Le soutien-gorge Dion, lui, il est à 63 euros. Donc Dionne, Dionne. Et la culotte, j'avais noté où la culotte? Mais non, c'est pas là. J'ai pas noté la culotte. Ah si, la culotte est à 39 euros. Elle existe du 40 au 52. Et leur culotte taillant très généreusement. Il faut plutôt prendre une taille en dessous de sa taille habituelle. Donc celle-ci que je vous ai essayée, vous voyez, hein, elle rentre même pas dans l'écran. C'est une taille 48, hein. Ah non, non, Sandrine, il faut me le noter ici. Ça sera avec justement la commande de ce live-là. Bonsoir, Sandrine. Bonsoir, Karine. Ça marche, Annick. Alors, tiens. Alors, Béatrice, celui-ci, ça dépend dans quelle taille. Parce qu'en fait, c'est un modèle qui n'est pas permanent chez eux. Ils changent de coloris à chaque saison. Et encore, celui-là, je vous le propose, mais ce n'est pas le nouveau. C'est lui, il va être terminé. C'est pour ça qu'il faut en profiter ce soir. Après, cette teinte-là, enfin, je crois que le stock est tout fin. Il en reste plus beaucoup. Non, il n'y a pas, malheureusement, Roxane. Oui, c'est passé, Cynthia, au début du live. Bonsoir, Sissi. À 63 euros, Virginie, celui-ci. Ah non, je ne peux pas regarder le message pendant le live, Flo, mais je te répondrai après. Bonsoir, WeDead. Les culottes, elles sont taillées jusqu'au 52, Coco. Après, il y a eu celui-là, mais j'ai pas renoté. Il y a eu le rose la dernière fois, mais là, j'ai très peu de taille de dispo sur le rose. 120F, Jacqueline, ok. C'est noté. Bonsoir Alison, oui.
Non, Marie-Lise, je vais regarder ça après, parce que comme je n'ai pas de fichier vêtements sous la main, là. Mais je noterai. Pour le caraco. Ensuite, j'ai pris, alors, surtout pour vous montrer la couleur, le Estelle, qui est magnifique, que vous connaissez déjà. Vous l'avez déjà vu la dernière fois. Vous savez, celui qui a juré comme ça au milieu. J'ai pris le rouge pour vous montrer comme il est beau, rouge également. Bonsoir, Nathalie. Oui, les soutiens-gorge bandeau, ils sont passés au début de live. Je l'enfile, j'arrive. Les soutiens-gorge bandeau, maintenant qu'on est là, on les a tout le temps, hein. Il est beau ce bleu, hein. Il est beau. Attendez, je range, je suis là pour pas faire de fouillis. Bonsoir Doris, le bleu d'avant m'a échappé. Ah non, c'est la culotte. Celui-ci, il est à 63 euros, modèle Dionne. Dionne. Je peux pas répondre au MP pendant le live, Flo. Coucou Mylène, ça marche? Bonsoir Marie-Lou. Donc, vous l'aviez déjà vu. Attention. On m'approche dans le ton bleu. Un très beau bleu d'ailleurs. Et là, voici le rouge. Mais il est merveilleux. Mais il me faut, enfin, depuis, j'ai toujours pas validé le soutien-gorge rouge que je prendrais, notamment pour mettre sous mes vêtements blancs. Mais je sens que ça va être celui-là. Sandy G. Ok, Sandrine. Donc, la dame à noir. C'est noté. Ah non, c'est juste esthétique, ça vient se plaquer comme ça, mais ça fait pas. De toute façon, le maintien à ce niveau-là, il y a pas, enfin, il y a pas de nécessité, Caroline. Donc celui-ci, voyez, donc un modèle, donc avec le petit détail ajouré au milieu, c'est magnifique. Il se pose bien au niveau de la poitrine. Là, à chaque fois, en fait, chez Panache, là, tous leurs soutiens-gorge, ils sont tellement bien structurés que c'est surtout en fait le bas là du soutien-gorge qui fait tout le maintien. Donc, ce que vous avez au-dessus, c'est toujours plus léger. Donc, ça ne fait absolument pas. Oui, ça n'appuie pas du tout sur le sein. Celui-ci, attends, il faudrait que je regarde, mais je sais pas. Chérie, le catalogue, je ne sais pas si tu es là encore. Il est rangé dans le tiroir là-bas ou pas? Donc, tout dentelle. Alors, je vais peut-être vous montrer ce bleu. Hop. Voilà. Et le dos, donc, toujours comme ça, façon polyamide. Donc, bien, bien. Bien stretch et facilement ajustable. Et la culotte, ouais, je vais essayer de la renfiler. La dernière fois, je n'avais pas la bonne taille à vous enfiler. La culotte est canon en plus. Vous voyez, ça fait ajourer comme ça, dentelle. À ah mince, attends, j'ai l'étiquette qui s'est coursée. J'ai l'air fin à chaque fois. Ah, magnifique! Ah, c'est merveilleux. Voilà. Elle est bien, vous voyez, elle est bien, elle descend bien en plus, j'ai vu au niveau de la hanche, celle-ci. Bonsoir, Hélène. Donc, le modèle Estelle. Hop, alors lui. Lui, il est à 69 euros, la culotte à 40 euros, la culotte est taillée jusqu'au 52. Pareil, on prend une taille en dessous. Là, je porte la taille 48, hein, pour ma taille 50.
Lui, en bonnet DD du 105 au 120, bonnet EF, enfin bonnet E jusqu'à H, vous l'avez jusque du 90 au 120. Le HH du 90 au 115, le J jusqu'au 110, le I jusqu'au 105 et le K jusqu'au 100. Donc en rouge là ou en bleu. Un message. Bonsoir Angélique. On est toujours chez Panache, Valérie. Bonsoir Christelle. Jacqueline, un bleu en 120F. Ok. Pour mesurer ton tour de dos, oui, Fabienne. Donc, le marine, on a dit. Bonsoir Karine, on est d'Île-de-France, on livre dans le monde entier. Donc ça, c'était les deux petits nouveaux du jour dans cette marque-là. Avant de vous montrer les autres qui sont déjà là. Ah non, c'est pas le Lisabrac, ça, Valérie. Oui, ça va, je vais les remontrer après. Je vais vous passer justement un nouveau modèle Lisabrac que j'ai pris. Celui-ci, je vous le mettrai en ligne. Mais il est magnifique. Ok, Monique. Non, pardon, j'ai des bêtises, Monique. Je te dis ok. Il n'y a pas de bonnet C. Je te dis ok, moi, en plus. J'ai mis où le centre ici. Bonsoir Maria, ça dépend des modèles. On n'a pas de showroom, Géraldine. Alors lui, je vais l'essayer juste après, mais c'est le modèle Electric Waves. J'ai coincé le centre dans la bague. Bonsoir Lucienne. Donc je rappelle Lisabrac. Alors c'est marque française broderie faite dans leur propre atelier dans le nord de la France et lingerie fine hein, chez eux. Vous voyez, il est canon. J'adore la broderie comme ça, en noir et avec noir et argenté. Hop, je l'enfile. Hop. Donc dans les modèles emboîtants de cette marque, eux c'est plus des modèles qui vont laisser un galbe naturel à la poitrine et qui sont plus axés vraiment sur le, enfin le confort c'est partout, mais très confortable, très léger, on ne sent pas du tout son soutien-gorge et surtout très dans la beauté et la finesse. D'autres couleurs, comment ça? C'est quoi la question Roxane exactement? Donc voilà ce qui rend, il est magnifique. Et j'adore. J'adore ce détail et c'est trop beau. Puis là, vous voyez, alors j'ai pas répondu en plus, je ne l'ai pas bien placé. Voilà. Ça fait un petit peu dentelé là au niveau du haut.
Et la culotte, alors ça sert à rien que je l'enfile peut-être par-dessus, c'est noir et par-dessus ça va pas le faire. Comme ceci. Et là, c'est le modèle comme la culotte pour celles qui l'ont, comme la culotte Vortex, justement, qui est un modèle en sans-couture. Pour ce modèle-là, les tailles. Donc lui, bonnet B à bonnet I, et vous avez jusqu'au tour 120, sauf pour le bonnet I, jusqu'au tour 115. Et la culotte jusqu'au 56, et taille très bien. Bonsoir Corinne. Lui, le Electric Waves, le soutien-gorge, il est à 94,90 et la culotte 54,90. Voilà, comme ça, je vous aurais passé les nouveaux modèles. Et pour la suite, je vous laisse me dire un peu ce que vous voulez voir, etc. Comme ça, je vais faire essayer de passer un peu de tout pour tout le monde. Hein. Ah, bien sûr, Roxane. Attends, je peux te montrer ce qu'on a d'autre en Louise Abrac. Alors, par contre, je vais quand même. En attendant, je ne sais pas trop quoi faire parce que faut me balader, je sais pas. Bon, bref. Je vais renfiler mon caravane. Voilà. On va faire ça déjà. Mais par contre, il faut que je vois aussi, parce que chez Louise Abrac, on a aussi des modèles outlet. Du coup, qui sont à des prix autour de, enfin, ça dépend, 50, 60 euros selon les modèles. Ça, j'en ai pas, Caro. Mais par contre, il y en a, il faut que je vois quelle taille il leur reste. Donc, il y a, bon, ça, c'est celui que tu as déjà. Après, il y a lui que tu peux voir dans d'autres couleurs que tu peux voir sur le site. Tu as le modèle série rouge baiser. Donc, il existe aussi. Ça, c'est la lessive, tu m'étonnes, c'est bien. Qui existe aussi en noir. Tu avais celui-ci, je l'avais encore mis en ligne d'ailleurs, que j'ai montré la dernière fois. Donc celui-ci qui est le modèle tribal. Bonsoir Arnaud. Dans les modèles outlet. Alors attends. Alors celui-là par contre, il faudrait que je regarde après l'état qui reste. Dans les modèles outlet, tu as celui-ci. Donc c'est lui le Vortex. Qui est dans un violet, un bordeaux, un aubergine un peu. Donc le Vortex. Alors chez eux, là, c'est que là, je suis que sur des modèles en boitant et avec la culotte haute. Hein. Voilà, donc ça, c'est le Vortex, le bordeaux. Il y a. Le Matrix. Donc lui qui est dans un bleu canard. Ah, tu as le Vortex, Roxane, ok. Le Matrix, comme ça. En bleu canard. Bonsoir Ghislaine. Et le Kant. Donc lui le chair avec la broderie noire. Il est beau. Par contre, il faudra car une sur le Vortex. Moi, je sais pas, moi, je peux en quelques-uns en stock, mais comme c'est du outlet, après, bientôt, il n'y en aura plus. Hein. Le cristal, je ne sais pas de quoi tu me parles, Ghislaine. Bonsoir Patou. Alors le Vortex. Alors j'arrive. Il n'était pas noté ici. Ah, oh, je suis douée, moi. Alors attendez 2 secondes. Il faut que j'ouvre un autre fichier. Alors je regarde tout de suite pour le Matrix. Monique, s'il y a. Donc le Matrix. Et je vais te donner le prix aussi par la même occasion. Matrix 105C, il y a encore. Hop. Ah oui, je suis pressée avec toi, Sissi. Oui, je comprends, Caroline, c'était juste dit au cas où. Bonsoir, Véronique. La culotte Matrix, du coup, Monique. Hein. Alors, attends, je vais juste déjà ouvrir le fichier. Non. Mon fichier Louise Abrac. Voilà. Non, pas le bleu, non. Non, Catherine.
Pour tous celles qui ont des questions en particulier, enfin très spécifiques par rapport à leur taille à elles, ce sera en message, s'il vous plaît. Non, Caro. Le Vortex, il est à 63 euros. Donc, comme les autres du bonnet B au bonnet I. Oui, bien sûr, Katie, on en a. Mais alors, les shorts anti-frottement, ils sont. Je sais pas, je montre le mien, mais il n'est pas sous la main. On en a des shorts anti-frottement. On a pas. Du 44 au 56, 58. Bonsoir Audrey. Et donc, le Matrix, je vais noter où, oui. Et le Matrix. Mais où est-ce que je l'ai noté? Oui, certainement, Caroline. Je comprends pas la question encore, Ghislaine. Je suis désolée. Des culottes, oui, on en a, si c'est ça la question. Bonsoir, Aurélie. Alors, Roxane, attends, je te le remonte. Je cherche juste quand même pour dire à Monique le prix du Matrix. Mais je ne l'avais pas noté ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, alors attends, je vais chercher là. En 110? Attends, alors attends, attends, Monique. J'y retourne. N'y a pas, Monique. Il y a du 115 après. Du coup, tu l'annules. Je ne sais plus en quelle taille tu avais pris les autres modèles. Rien n'est vendu en ensemble, Ghislaine. Les soutiens-gorge et culottes, c'est à part. Donc, attends, le Roxane, le série. Alors. Par contre, série, lui, c'est un permanent hein, de chez eux. Le série rouge, lui, il a 82 euros. C'est lui, donc, le premier rouge, hein, c'est celui-là. Et tu vois, ça fait comme ça, là, au-dessus de la poitrine. Hop. Ça sent bon, la lessive, hein. Je le filme. Hop. Ok, Monique. Quelles sont les autres questions que j'ai oubliées entre-temps? Ok, Roxane. Alors, attends, je vais dessus. Le série rouge à lèvres. Hein. Je te confirme qu'ils sont dispo maintenant. En 110, c'est tout bon. La quante, attends, je te dis tout de suite si c'est OK, Valérie, s'il y en a encore. Ah, après, moi j'en ai peut-être, s'il n'y en a pas, il faudrait que je pense à regarder. Ouais, alors ils ont plus de 52, faudrait que je regarde si j'en ai en stock, moi. Bonsoir, Émilie. Alors non, je suis sur un live lingerie. Mais à celle qui voudrait le caraco, alors regarde, vous pouvez le noter, ceux-là, ils sont à 36 euros. Taille unique, ok, jusqu'à 54, 56, vous mettez caraco, sequin, noir ou beige. Donc ça, Roxane, c'est bon, c'est vu. Le série. Ah, le série. Le série. Je suis en train de réfléchir. Le série. Alors, oui, Jessica, oui. C'est tout à fait possible. Si tu souhaites commander, Jessica, il faut mettre HA, série, rouge et la taille. Bonsoir, Malika. Pour les bandeaux, donc on va reparler des bandeaux. Je range cela. Ah, j'ai oublié aussi, il y avait celui-ci que j'ai oublié de vous remontrer, le Graal.
Donc là, toujours chez Louisa Braque. Lui, il a, je sais plus, 43, 45, et je crois que c'est comme le Kant à peu près. Donc en outlet aussi, et donc le gris. Je ne sais pas de quel blouson tu parles tout de suite, Géraldine, mais bonsoir Véronique. Ok, Jessica. Jessica, il faudra bien envoyer un message pour confirmer ta commande, s'il te plaît. Donc un rouge en 110H. Ok, bon, alors il faudra jouer parce que moi j'ai très peu de stock. Je ferai au mieux. Enfin, il faut que je regarde si je peux en avoir pour tout le monde, mais je croise les doigts. Donc un rouge 110. Je suis désolée, Jessica, pour le... Ah non, pardon. J'allais dire une bêtise. C'est OK. Non, mais il s'arrête au 110H, en fait. Oui, bien sûr, Bayou. Ah, attends, je note juste. Alors, Jacqueline, je ne sais pas. Je sais pas si. Attends. Jacqueline, je regarde parce que cela, comme encore une fois, comme c'est des outlets, il n'y a plus du stock sur toutes les tailles. Le Kant, du coup, tu voudrais. Je t'en prie, Émilie. Non, pas pour le moment, Cécile. Un Kant 120F, c'est bon. Je vais te dire ce qui reste pour le Graal, du coup, Cindy. Non, Christelle. Il n'y a que Louisa Braque pour certains que tu peux retrouver en ligne, mais pas les autres. Mais vous pouvez passer en MP sans souci, hein. T'es sûr que c'est la bonne taille, Fabienne? Le Kant. Non, en G, là, il va jusqu'au 110. Et H, là, il n'y a plus. H, il n'y a que jusqu'au 100 maintenant. Alors, Virginie, Vortex 105G, je regarde tout de suite si c'est OK. Oui, alors le bandeau, c'est juste, il va falloir attendre que je le réenfile pour en reparler. Parce que, hop, le Vortex 105G, Virginie, c'est bon. Alors, je réenfile le bandeau pour en reparler. Bonsoir, Corinne. Oui, j'ai vu, mais alors le truc, je note personne pour les caracos. Je regarderai ça après le live. Parce que là, sans doute, il va falloir que j'en commande. Et je pense que ça va être bon, mais je vous dirai. Ah, même pour le bandeau, j'essaie de vous montrer pourquoi c'est important de bien le placer pour voir si tout est OK. J'arrive. En plus, faire tour, c'est pas, c'est des dos, c'est 5 agrafes, hein, donc c'est, on n'est pas forcément habitué. Voilà, donc parce qu'en gros, donc là, je fais exprès, hein, je vais juste attacher, attention, à pas de ça. Voilà, si je mets juste ça comme ça, évidemment, je vais avoir l'impression que rien ne va, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc, on positionne, comme je dis, le dos bien comme il faut, on prend bien sa poitrine. On tire bien sur le côté, pareil sur le bandeau. Hein. Hop, hop, et hop. Là, je remets mon dos bien droit. Et voilà. Là, je suis presque. Alors moi, pour faire ici, surtout quand je passe là, hop, et hop, pour qu'il soit bien positionné et encore une fois bien parallèle. Donc le bandeau, alors, je vais toujours parler du Dana qui est là le plus demandé.
Le Dana, qui est le modèle, lui, qui convient le mieux pour les poitrines les plus mastoc et les plus lourdes. C'est le plus emboîtant des deux modèles. Ceux-là, donc là, il est en chair, il existe aussi en noir. Les bandeaux Dana, ils sont à 69 euros. Selon les bonnets, il va du bonnet D au bonnet J. Vous l'avez jusqu'au tour 120, jusqu'au bonnet GG. Et après, pour le J, tour 105. Et pour le H, tour 115. Voilà. Donc en noir ou en beige. Et après, l'autre modèle, donc le Heavy, lui qui va être un peu mieux pour des poitrines un petit peu plus fermes. Lui, il est du bonnet D au bonnet J, mais jusqu'au tour 105. Et le Heavy, donc pareil en chair, en beige ou en noir, il est à 50 euros. Voilà. Je t'ai dit, Cindy, mais il n'y a pas de taille pour toi dedans, hein? Dit le H, il s'arrête jusqu'au 105 pour le Heavy. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les soutiens-gorge? Sinon, je vais passer à d'autres, à ma résille, aux bralettes, etc. Bonsoir, Josiane. Bonsoir, Laetitia. Ouais, j'essaie de voir pour vos caracos en même temps parce que comme ça ce sera fait. Le chichi là, bah, j'attends parce qu'il faut une enquête. Mais non, ils vont me l'expédier là la semaine prochaine, Annick. Facebook, Géraldine. Le Evie. Ah, le soutien-gorge en vie, tu veux dire? Oui, bien sûr. Revoir le rouge. Est-ce que vous voulez que je les essaie quand je vous les montre? Ouais, pas de problème, hein. Ce dimanche soir, c'est cool. Le beige Dana 115 E. Ok. Sandrine. Non, Dana beige. Il est où? La chair. 115 E. C'est noté. On verra ça ensemble en MP, Fabienne. Je ne sais pas l'heure, Christelle. Je ne sais pas quand est-ce que je m'arrête. Je n'ai pas décidé. Pour toutes celles qui ont besoin de conseils au niveau de leur propre taille, contactez-moi par message parce que même si je vous réponds en live, ça ne va pas forcément vous aider. Le plus simple pour m'aider, j'ai besoin de photos, j'ai besoin de vous voir et pour pouvoir vous orienter au mieux. Oui, Laetitia, oui, il y a du 115H pour le bandeau d'Anna. Hein. Alors après, avant que je passerai, si vous voulez voir tous les modèles de soutien-gorge dispo, il n'y a pas de problème, moi. Hein. Faut me dire. Hein. C'est pour ça que je dis, moi, je fais vraiment, je fais selon vous. Hein. Pourquoi? Ah, ouais, évidemment. Les gros doigts, là. Alors, je te dis s'il y a du Graal en 115. Vous m'avez pas dit, vous voulez les voir porter ou pas les modèles? Graal 115E, il y a Valérie. Donc, si tu peux mettre en commentaire si tu le désires. Le prix, attends, je l'ai pardonné, je crois, pour le Graal. Il est à 44 euros. Bon, j'y étais, hein, c'est ça. Non, ça m'embête pas. Tu veux voir, du coup, on a dit, j'ai vu le Envie passer. Je vais aller, je vais vous essayer le Envie. Moi, le Envie, là, sous la main, je l'ai en marron.
Mais alors attendez, je vais juste aller vérifier pour montrer les autres couleurs. Juste aller chercher le catalogue. Graal 120E. Graal 120E, il y a aussi. Muriel, je te vois, oui. Ok, je reporte. Alors, Valérie 115E. Attends, je vérifie pour la culotte. Oui, culotte, c'est bon. Culotte 50. Ça marche. Bonsoir, Barbara. Que je remonte, j'ai dit que j'essayais quoi? Le envie, hein? C'est ça qui. La fille qui est pas là. En fait, je suis déconcentrée à cause de mon nom. Ouais, bah alors je suis navrée pour les caracos, c'est cuit, hein? Il reste que des dorés. Et pourtant, celui-ci, les filles, je voulais passer en live, hein? Ok, Annick. Donc si vous le voulez, par contre, le caraco, il faudra me remettre un com et me le mettre en doré. C'est le seul que je pourrais récupérer. Muriel, il faudrait que je vérifie ce qu'on s'est dit. Là, on n'avait rien défini. Voilà. Bonne app, Sandrine. Donc, voilà. Maintenant, j'arrête de me déconcentrer. C'est ça qui me déconcentrait depuis tout à l'heure. Donc attends, Annick, je mets donc le 120E et la culotte en 48, ok? Ça, c'est tout bon. Donc le envie, on a dit déjà. Le envie. Alors, tu es là. Donc il est un modèle. Hop, avec un espèce d'un motif pied de poule et une dentelle sur le haut. Bonsoir Nathalie. Ça marche Marie-Lise. Non, il n'y en a plus. L'enfile là. Bah ça, tout à l'heure, mais quand même, on était toute seule avec une soutien-gorge là. J'en fais tout de même partout. Donc là, je vous l'essaye en coloris marron. Je crois que je suis là. J'ai pensé mes cheveux. Alors ça, mes cheveux longs, vous devez connaître quand vous enfilez un soutien-gorge. Ça, c'est très fréquent. Donc voilà ce qui rend. Hop. Donc c'est un modèle full cup. Enfin, je dis full cup, donc qui est un modèle en boitant. Encore une fois, vous voyez, la dentelle, elle vient juste se poser comme ça sur le sein. Lui, donc là, je vous le montre en marron. Alors qu'est-ce que. Hop. Que je vous dise qu'il y a d'autres teintes. Est-ce qu'il y a d'autres en permanent? Hop, 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 hop. Ou alors, moi, les catalogues, je vais regarder direct à quelle page il est parce que. Coucou, Corinne! Voilà. Ça va aller plus vite. Voilà. Donc dans les teintes permanentes, donc là je vais essayer en marron, vous l'avez en bleu marine, ici vous l'avez en beige ou en, comment il appelle ça? En ivoire.
Et en noir. Donc noir, beige, blanc, enfin ivoire, et bleu marine ou marron. Pour celui-là. Bonsoir, Rose. Lui, alors, on y